George Weah perd la présidentielle au Libéria et reconnaît la victoire de son challenger Joseph Boakai. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a déclaré le président sortant sur la radio nationale. Les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que Joseph Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J'ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter pour sa victoire. A ajouté George Weah, l'ancienne gloire du foot africain. Les résultats publiés vendredi soir par la commission électorale après les décomptes dans plus de 99% des bureaux donnent 50,89% à Joseph Boakai et 49,11% à George Weah. Le vétéran de 78 ans prend sa revanche contre celui qu'il avait largement battu au second tour de la présidentielle en 2017 avec plus de 61% des voix, mais auquel ses détracteurs reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses de combattre la pauvreté et la corruption.